Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tout petit haul déco. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je suis en plein déménagement. Je pense que vous le voyez, j'ai plus de déco derrière. J'ai plus que ma coiffeuse, mais elle est vide, voilà. J'ai gardé que mes essentiels, je dirais mes essentiels du moment. Donc voilà, je voulais vous faire donc cette vidéo pour pouvoir pouvoir continuer mon déménagement, voilà, et pouvoir ranger et ne pas laisser stagner dans des sacs. Donc je vais vous faire plusieurs petites vidéos comme ça. Donc la première concernera mes achats chez Casa. Donc je me suis fait un petit tour chez Casa, d'ailleurs je vous ai filmé tout ça dans un vlog, ça arrive très très prochainement, voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors je vais vous montrer de suite ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose, mais je pense y refaire un saut parce que j'ai vu 2-3 petites choses que je n'ai pas pris sur le coup, mais qu'en fait je voudrais bien. Voilà, donc premièrement je me suis pris ces deux livres. Voilà, donc ce sont des livres de cuisine. Un, c'est sur les éclairs, religieuses, puis d'amour à la maison. Voilà, vous avez plein de belles recettes. Vous avez beaucoup de livres comme ça chez Casa. Très très bien illustrés comme ça, très très jolis, avec des recettes assez faciles. Donc moi la dernière fois, j'en avais pris un, mais sur les cocktails. Et si vous voulez, en page, c'était un cocktail de fruits. Malheureusement, ce n'était que des cocktails alcoolisés et j'avais pas fait attention. Voilà, donc le classique au chocolat, enfin bref. Donc il fait 7,99€. Donc me semble-t-il qu'ils étaient à moins 40%. Je crois que j'ai dû payer ça 4,50€, un truc comme ça, même pas. Et enfin, je me suis pris un autre livre sur les bocaux en général, que ce soit des recettes sucrées ou salées. Moi, j'aime bien faire des salades, mais vous pouvez très bien faire donc des parmentiers, des œufs cocottes, des flans, enfin bref. Donc voilà, si vous recherchez des petits livres pas trop chers, ben, essayez de faire un petit tour chez Casa. Hop. Ensuite, je recherchais des petites caissettes assez colorées pour la fête de l'Aïd, pour y disposer en fait les biscuits que j'avais fait. Et donc je me suis dirigée vers celle-ci. Très très pop, je trouve. Donc moi j'ai déjà utilisé cette boîte-là. Donc ça coûte 1,99€ les 100 moules à muffins, en fait les 100 caissettes. Et je trouve ça vraiment pas cher du tout. Donc voilà, très très joli, motif fleuri avec un fond jaune très pétant. Donc voilà, il y en avait plein également. Donc comme je vous ai dit, comme j'étais à la recherche de caissettes assez colorées, donc je m'étais dirigée vers celle-ci. Donc j'en avais pris 200 et 200 pour le prix de 4€. Ensuite, j'ai littéralement craqué pour ce plat-ci. Donc c'est une sorte de plat, je dirais imitation, cristal. Donc vous avez plein de... Vous avez les petits... vous avez des reliefs en fait lorsque vous passez votre main dessus. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc au niveau du diamètre, me semble-t-il qu'il fait 33 cm. Voilà, c'est assez grand quand même. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, il est très 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 beau. D'ailleurs, celui-ci, j'ai envie de m'en reprendre un deuxième. Ma mère aime beaucoup, donc je pense lui en prendrai un aussi. Donc voilà, et ce plat m'a coûté seulement 4,99€. Il coûte vraiment pas cher. Il est, on voit que c'est de la bonne qualité, quoi. Vous pouvez y aller. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris trois petits plateaux, comme ceci, les plateaux, voilà, à 2,50€ l'unité. Donc le premier, c'est le Sweet and Fluffy, là il est bleu clair avec des petites glaces au milieu. Ensuite le Pancakes en rose comme ça, et enfin j'ai pris un rose, non, en corail, pardon, en corail comme ça, et ensuite j'ai pris un rose bonbon comme ça, ice cream. Voilà, donc vous pouvez disposer ce que vous voulez, des petites douceurs, des boissons, des gâteaux, enfin bref, du sucré, du salé, l'apéro, ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, ils sont trop trop mignons, et comme je vous ai dit, ils m'ont coûté 2,50€ l'unité, et vous aviez plein d'autres motifs. Ensuite, j'ai craqué pour cet ensemble, ce kit là. Donc c'est un kit qui est marqué, c'est un set de 7 pièces. Voilà, donc vous avez trois petits bols comme ça avec leurs petites ardoises respectives ainsi que leurs petites fourchettes. Donc ça, j'ai craqué parce que pour y disposer des glaces, mais pas que, même pour des salades. Donc hop, je l'ai pas encore ouvert. Ah ok, en fait c'est pas trois ardoises, c'est une seule ardoise.
hein. Autant pour moi. Oups. Voilà, donc c'est tout petit comme ça. Oh, je le pensais un tout petit peu plus grand. Donc voilà pour le petit bol. Ensuite, vous avez, si j'arrive à vous montrer ça, la petite fourchette cuir qui va avec, en fait. Voilà, c'est, ça a une double fonction. Et donc, en fait, l'ardoise, c'est une seule ardoise, en fait. Voilà, elle a l'air vraiment, elle a l'air vraiment solide. Donc, je ne vais pas vous ouvrir tout entièrement, comme je vous ai dit, parce que j'ai pas envie de casser. Donc, on va le remettre. Voilà. Il fait grave chaud. Donc voilà pour ce petit set que j'avais payé 11,99€. Lors de mes achats, donc le magasin m'a offert, la caissière m'a offert donc ce mélange d'épices pour barbecue. Donc voilà, super gentil. Hein. Il sent super bon en plus. Donc voilà pour mes petits achats chez Casa. J'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.